Axel Merila veut aider Ulrich Kühnhorm à venir en sélection nationale. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. C'est à cela que nous allons nous atteler dans ces news. Bien sûr, une seule information. Ces news sont en édition unique et ça concerne ce gros dossier qui fait beaucoup de tollé, qui fait couler beaucoup d'encre actuellement sur les réseaux sociaux. Et on va décortiquer, on va parler bien sûr de ce dossier. Je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de savoir de quoi il s'agit, le pourquoi du comment et pourquoi. Et en tout cas, on va décortiquer ici. En tout cas, chaf, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer à la cloche de notification là, dès qu'on met en ligne de nouveaux contenus, vous allez être informé. On a compris que le sport et la musique, les deux vont bien sûr de pair. C'est pourquoi on a créé cette chaîne bi-thématique parlant football, parlant sport, parlant bien sûr showbiz, parlant des artistes et tout. Vous voyez, avant de rentrer dans cette vif du sujet, je vais partager une grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui veulent monétiser leur chaîne YouTube, c'est chose faite, c'est chose disponible. Aujourd'hui au Bénin, plus 229 53 63 87 30 et on va vous aider à monétiser vos chaînes YouTube. Maintenant, si vous voulez de visibilité aussi publicité, ben moi, numéro. Maintenant, l'autre opportunité, à l'heure du digital, le chômage n'existe plus. Prenez notre formation YouTube qui vous permet de créer du contenu sur YouTube et être payé à la fin de chaque mois par YouTube. C'est une aubaine. Donc, chaque, vous n'avez plus d'excuses. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Axel Merila, c'est un artiste, un comédien et tout, web, humoriste, tout ce que vous voulez. Il s'est reconverti, bien sûr, dans une carrière artistique. Bon, il fait toujours de la comédie, mais bon, avec des chansons telles que Kimi, qui ont cartonné et tout, Axel Merila se mêle un peu de la vie active, de la vie de la population et tout, Axel Merila, comme tout le monde, il prend soin de son corps, c'est-à-dire, il va jouer au football avec des amis et tout, et il a croisé deux amis, et l'un de ses amis, c'est Ulrich Kühnhorm, l'est sud-ouest du football béninois, ce gamin qui avait été détecté même par Manchester City, ce joueur qui a bénéficié du projet des béninois, de jeunes béninois envoyés au Brésil, bien sûr, dans le temps, et ce gamin qui est revenu, bien sûr, et tout, et ce gamin qui. Ce gamin, il était gamin, mais maintenant, bon, il est un peu âgé, 28 ans et tout. Ulrich Kühnhorm était prédit à un avenir vraiment insincère. Et après, le joueur est allé dans le championnat togolais. Mais récemment, il joue maintenant à Dadjer FC. Il a signé à Dadjer. Et par rapport à ce joueur, Ulrich Kühnhorm fait une grosse déclaration sur la toile. Il dit ceci. Je demande à genoux à la Fédération béninoise de m'écouter. Je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Je sais que vous faites un travail de fou pour faire évoluer, bien sûr. Je suis en train de vous lire la déclaration pour faire évoluer, bien sûr, le pays dans le domaine de foot. Pour moi, le foot, c'est pour garder la forme. Mais ces deux gars, c'est une photo qu'il a balancée. Ces deux gars que vous voyez sur cette photo, c'est Ulrich à droite et Jouvence à gauche, c'est des gens avec qui je joue souvent les mardis et vendredis quand je viens à Cotonou. Jouvence joue en pro ici à Cotonou et Ulrich en pro à Lomé. Ulrich n'est plus à Lomé, il est aussi au Bénin, il est à Dadjer actuellement à Lomé. Je pense, je vous en supplie, contactez-les pour leur faire des tests pour l'équipe nationale pour qu'ils soient sélectionnés pour jouer les qualifications avec nos Guépard. Je suis sûr qu'ils pourront apporter un plus à l'équipe. Regardez juste mes commentaires et vous verrez que tout le monde connaît Ulrich Kühnhorm qui est à droite car il a déjà joué dans les juniors et cadets du Bénin. Tous ceux qui sont dans l'équipe nationale actuelle font tout ce qu'ils peuvent, bien sûr, pour qu'on gagne. Mais si vous ramenez ces deux jeunes-là, en plus, ils vont apporter une fraîcheur ou ce petit truc qui nous manque dans l'équipe pour, bien sûr, montrer nos capacités. Jouvence qui est à gauche, à qui que Ulrich qui est à droite est le meilleur joueur, bien sûr, qu'il a jamais vu. A dit qu'il est le meilleur joueur qu'il a jamais vu jouer dans le pays depuis. Bon, en tout cas, Jouvence qui est en train de faire les éloges, bien sûr, de Ulrich Kühnhorm. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est un peu ça. Il disait jouer avec plein de jeunes pros dans ce pays. Mais Ulrich est un trésor.
ne le laissez jamais partir. Déjà qu'il joue déjà pour la Ligue togolaise, c'est dangereux pour nous. Allez le récupérer, s'il vous plaît. Juventus, milieu défensif ou milieu central. Ulrich, milieu central, milieu offensif ou milieu droit. Ils sont très polyvalents à plusieurs postes. Avec tout le respect, chères autorités, vous pouvez contacter mon manager ici sur ce numéro pour qu'on vous mette en contact avec eux si vous voulez les prendre pour un test. Contact plus 229 97 58 76 90. Et ce n'est pas le seul dans le pays. Il y en a beaucoup qui sont hyper forts. Et avec un peu d'observation, vous pouvez les dénicher. Voilà la publication, bien sûr, de Assel Merrill. Bon, en tout cas, il est en train de faire de la publicité pour ses amis. Ulrich Genome, c'est un joueur que tout le monde connaît. Il a pris par les sélections. Il a été formé, bien sûr, à Sivas. Maintenant, la carrière n'a pas été bien gérée après parce que le joueur avait été contacté par Manchester City. Beaucoup de personnes s'en sont mêlées et tout. Et vous voyez, c'est le fait de ne pas avoir un bon conseiller, de ne pas avoir un bon agent qui ramène les joueurs dans ce genre de situation. Maintenant, parler d'un joueur comme ça et qu'on l'appelle en sélection nationale en un claquement de doigts, c'est trop facile. Vous voyez, en sélection nationale aujourd'hui, ce sont des histoires de profil. En sélection nationale aujourd'hui, ce sont des histoires de niveau. En sélection nationale aujourd'hui, ce sont des statistiques à servir. Et Ulrich, que nomme, il vient bien sûr de signer à Nadjé. Quelles sont ces statistiques à Nadjé? Bon, Guénotro pourrait bien sûr. Est-ce qu'il est déjà resté sur des matchs de Nadjé? Nadjé est l'actuel leader. Ça va pousser Guénotro à suivre les rencontres. Et si Ulrich Genome est titulaire à Nadjé, il va montrer de quoi il est capable. Mais s'il n'est pas titulaire à Nadjé, il ne sert à rien. L'appel, bien sûr, de Assel Merrill. Mais bon, en tout cas, Assel Merrill, il a une voix qui porte. Beaucoup ont vu ça et tout et tout. Guénotro, Ulrich Genome a la chance que Nadjé est aujourd'hui leader du championnat béninois. Guénotro peut le voir, mais ce n'est jamais facile. Ce n'est pas un claquement de doigts comme ça. Bon, Assel Merrill, lui, c'est un artiste, c'est un web, c'est un comédien, tout ce que vous voulez, mais il ne maîtrise pas trop les rouages du football. Si c'était comme ça qu'on appelle les joueurs facilement, mais tout le monde allait remplir la sélection nationale. Et vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai rien contre Ulrich Genome. Le joueur et moi, bon, on s'écrit, on partage de très très bons rapports. Et c'est un joueur que moi-même, j'aimerais bien sûr voir en sélection nationale, Ulrich Genome, parce qu'il est pétri de talent, c'est un surdoué, véritablement, si vous le voyez jouer, en tout cas, vous allez voir de quoi je parle. En tout cas, si Genotro a vu, bien sûr, ces messages, si ces messages sont tombés dans ses oreilles, il pourra faire quelque chose au niveau de Ulrich Genome. Ce qui est sur Genotro a un œil très regardant sur le championnat béninois et celui-là, avantage, bien sûr, Ulrich Genome. Et bon, son ami Juventus, moi, je ne le connais pas, je ne connais pas, ouais, c'est un peu ça. Donc, la balle est dans le camp de Ulrich Genome, de tout ce que vous voulez. Et on attend de voir si Genotro va l'appeler un jour. C'est l'information que je tenais à partager avec vous en vidéo unique et tout en session unique. Ce gros dossier Assel Merrill qui est en train de faire de la grosse publicité pour Ulrich Genome. J'espère que vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi, l'URES premier, le 3 en un sud-doué des finances du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Ils n'ont qu'à respecter. Oui, d'accord.